Coucou les moyens, coucou mes parents. Alors, pour poursuivre notre jeu sur la course aux œufs, on a besoin de 4 vignettes. Alors, les 4 vignettes, 2 vignettes qui représentent une poule et 2 vignettes qui représentent un renard. Des vignettes de 5 sur 5 à peu près. Alors, je vais vous montrer les parents comment on dessine une poule et après, à vous de les réaliser avec votre enfant. Bien sûr, en l'aidant. Au pas à pas. Pour réaliser une poule, un ovale, le petit cou, un rond pour la tête, le bec, un œil, la crête et les barbillons. Oui, ça s'appelle des barbillons. L'aile, la queue. Et une poule, ça n'a pas 4 pattes, ça a 2 pattes. Et puis on peut faire par exemple aussi une poule, la tête en bas, c'est rigolo. Un ovale, le petit cou en bas, le rond pour la tête, le bec, l'œil, la crête, les barbillons, l'aile. Et les 2 pattes. Pour le renard, c'est très facile et ça va plaire à Jedanour. Parce que pour faire la tête du renard, on va faire un cœur. Après, on prend à peu près la moitié ici, on descend en bas. La même chose ici. Un œil, un nez, une oreille, oui, il est beau le renard. Ben voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut, à vous de préparer tout ça, 2 vignettes poules, 2 vignettes renard, et puis on se retrouve ensuite pour la fin du jeu. À bientôt.